On s'observe. Deux jabs de Demers, suivi de deux autres. On accroche la prise de tête par Sébastien Demers. Il revient avec un jab. Encore, encore, encore une fois. Beaucoup de travail pour Michael Griffin, l'arbitre. Jab de Green. Coup au corps. Belle combinaison de Green. Le beau jab de Green. Ça, c'est un vrai. Un vrai jab, c'est ça. Mais des bonnes esquives. Howard Grant qui a demandé à Demers de bouger sa tête. Puis il est en train de suivre les instructions. Ce qu'il ne faisait pas tellement avant. Non. Corps à corps, encore une fois, dans les câbles. Et là, Demers qui en profite pour envoyer beaucoup de coups au corps. Green tente de sortir de là. Green place des coups à la tête. Et a poussé Demers dans les câbles. Demers qui a les mains très hautes. Beaucoup de coups de Green atterrissent sur les gants. Bien, c'est bien ça. C'est ça qu'il faut faire. Absolument. Encore, Step back. 50 secondes à faire dans ce round, dans ce quatrième round. Encore une fois, la défensive de Demers qui est très compacte. Il reçoit beaucoup de coups sur les gants et sur les bras. Le jab, le Green. Le jab de Demers. Corps à corps, encore une fois. L'abri demandé par l'arbitre. Demers qui m'impressionne. Encore une fois, Michael Griffin a demandé le bris. Moins de 10 secondes à faire. Combinaison, gauche-droite au corps porté par Green. Beau jab, main droite de Green. Corps à corps encore une fois. Green qui tient Demers qui tient son bout. Il tient son bout beaucoup. J'ai même donné ce round-là à Demers. Il boxe bien, garde les mains hautes, la défensive. Il, même s'il se fait toucher par un coup de poing, tout de suite, il amène les mains hautes pour se défendre. That crisscross, throw that left hook to the body. You got it, it's there for you. Hit him to the body. The water. Second bottle, the middle bottle. Hey! Anything in it? Là, il s'est fait toucher. Give me the other bottle. Regarde, comme tu parlais, ça, c'est une jab de classe mondiale. Hein? Listen to me, man. Keep your hands up, okay? Keep your hands up. On retourne dans le coin de Demers. On va entreprendre. Je le dis, moi, Russ, ce gars-là me donne l'impression de ne pas avoir une bonne condition physique actuellement pour ce combat-là. Ça se peut très, très bien. On reprend les hostilités. Right. Encore une fois, corps à corps. On est au cinquième round. Belle combinaison de Green, des deux mains. Il a touché Demers. Encore une fois, corps à corps. Demers qui lutte avec Green. Michael Griffin travaille fort dans ce combat-là. Ça prenait un arbitre comme Michael Griffin pour ce genre de combat. Free up your hands, man. Oh, belle combinaison. Ça a commencé par un jab, ensuite combinaison des deux côtés au corps porté par Green. Le jab de Demers. Green a tenté l'uppercut, n'a pas réussi. Les jabs sont touchés, sont croisés, sont arrêtés. Encore une fois, on est encore à corps. Et Demers fait une petite bras. Demers qui profite de chaque instant corps à corps pour donner des coups. Oui, et c'est ça qu'il doit faire. Encore une fois. You can't punch him in your head. Let's go. This is my word.
Ah, c'est Green qui a touché Demers au corps. Demers a relativement amorti le coup avec ses coudes. Green lance des oreilles. Oh là! Main droite! Oui, ça, c'était main droite, c'était solide. Est-ce que Demers a des jambes mal là-dessus? Il l'a bien encaissé, c'était solide direct, sa mâchoire. Puis Demers l'a bien pris. Demers qui revient avec un beau jab. Encore, encore, encore une fois. Allan Green qui lance un jab, le jab de Demers. 40 secondes. Encore dans le cinquième round. Le coup au corps porté, combinaison, mais encore sa course, ça visait le corps, mais c'est allé sur les bras et les épaules de Sebastien Demers. Gros changement dans le style puis le technique de Demers. De Demers. Gros changement et amélioration, exactement. Demers qui ne cède pas un pouce de terre. Combinaison de Green, mais encore une fois, la défensive. Je suis épaté, moi, par la défensive de Demers. Comment Demers s'est amélioré défensivement, comment il a travaillé avec Howard Grant, parce que beaucoup, beaucoup de coups aboutissent sur les gants, les bras, les épaules. Ah, c'est vraiment bon. Il a entraîné fort parce que ça démontre dans son capacité d'être capable de prendre un coup de poing, puis il s'est fait toucher solide par Green. Puis même s'il s'est fait faire mal, il savait tout de suite comment le protéger et accrocher. Il fait un super combat, Sebastien Demers. Je pense pas qu'il y a personne qui aura attendu une performance comme ça. Now I expect you to pick up the pace like we did in the gym. Walking down with the hands up. Hey man, I told you, I believe in you, man. A lot of guys didn't think we'd be in the sixth round now. You understand? Come on! Alors, Howard Grant, il est très intense, Howard, dans le coin. Mais t'as des très bonnes instructions qu'il vient de lui dire. Il dit, il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas pensé que t'étais pour être encore dans le sixième round. Non, moi, j'avais dit que ça ne passerait pas le quatrième round. Ben, tu vois? Alors, tant mieux. Moi, je suis très content de me tromper quand il s'agit des gars d'ici. Ben oui! On est au centre du ring maintenant. Alors, avec Ross and Cash serré, 48-47 pour Green. Le jab, encore le jab de Green. Howard a dit, je veux que tu gardes tes mains hautes. Demers, il ne garde pas toujours ses mains hautes. Il faut faire attention. Là. Il ne peut pas se permettre, quand un gars qui a de puissance comme Green, de relâcher sa garde, effectivement. Encore une fois, on est encore à corps et à chaque fois, Demers, vraiment, Demers lutte physiquement avec Green pour s'imposer. À chaque fois qu'il y a un corps à corps. Le jab de Green. Demers qui tente de placer le jab, mais deux fois, ça a été contré par Green. Le public ne semble pas satisfait. On entend des sifflets. Deux beaux jambes, belle combinaison de Green. Mais bien protégé de la part de Demers. Ça, c'est des coups qu'il prenait gratuitement avant Demers. Ouais. On est dans les câbles encore. C'est Green qui est adossé au câble. On est encore à corps. Demers a beaucoup frappé Green au corps. Mais là, il s'est fait cueillir. Encore deux beaux jabs. Encore des ligues majeures portées par Green. Demers, il ne faut pas qu'il reste au bout de ce jab-là de Green. Il faut qu'il se colle en dedans. Bel échange. Le jab. Oh. Green semble prendre l'avantage encore une fois. Son jab rentre presque à volonté. Demers a un peu tuméfié sous l'œil droit. Encore une fois, le jab de Green. Courvoisie de ce jab. Il est tuméfié, courvoisie, le jab de Green. Don't push it.
Parce que là, le jab dans ce round rentre à volonté. Oui. On est au sixième round. Corps à corps, encore une fois. Beaucoup de coups qui atterrissent sur les épaules et les gants de Sébastien Demers. Demers, il faut qu'il travaille des deux mains. Il faut qu'il travaille des deux mains. Là, il y a eu un crochet de gauche qui a été contré à la dernière seconde par Demers parce qu'il serait tombé là-dessus. Encore une fois, un round. Les gens ont sifflé, pourtant, c'est un round. C'est un combat de boxe qui, je trouve, est intense, moi. Pardon? Le combat de boxe qui est intense. Oui, mais qu'est-ce qui rend le public un peu pas content, c'est que ça s'accroche beaucoup à l'intérieur. Des deux bords. Alors, on va aller dans le coin de... Demers. Encore les jabs suivis du crochet de la droite d'Allan Green. Mais, tu vois, ces coups-là, ça, encore une fois, même si Demers a été déséquilibré, il les a pris avec ses gants. Absolument. Et donc, ça n'a pas fait de dommage. C'est un bon exemple de ce que je te parlais dans le combat de Gauthier, Molitor et le combat de Bute. Comment c'est important d'être capable de te défendre avec les gants. On se retrouve au centre du ring pour le septième round. C'est un combat de 10 rounds. Des coups au corps portés par Demers alors que les deux hommes sont très proches. Mais là, Green a appliqué avec plusieurs coups extrêmement violents à la tête et au corps. Mais encore une fois, la garde de Demers a été relativement efficace là-dedans. Mais la différence entre les deux attaques, c'est que quand Demers est allé à l'intérieur, il a travaillé uniquement au corps. Tandis que... Demers vient de placer deux belles mains. Les deux boxeurs luttent. Mais là, Demers a placé deux belles mains. Oui, absolument. Comme tu disais, si c'était un cogneur, ça aurait fait du dommage. Il faut qu'il laisse aller ses mains. Il ne peut pas juste lancer un coup à fois. Il faut qu'il soit agressif. Il faut qu'il soit un peu mean quand il donne ses coups. Green est Green est encore sonné. Il est sonné. Et là, Demers qui attaque au corps. Green s'accroche. Break. Concentré, très concentré, Sébastien Demers. Green qui accroche. Green est désespéré, mais c'est long, 1 minute 20. L'uppercut, on est au corps à corps. Sébastien a tenté de passer un uppercut. Regarde comment que Green y accroche. Encore une fois, Green dans les cordes. Il se fait marteler au corps et à la tête. Par Demers, Green accroche. Encore plus d'une minute à faire dans ce round. Une minute maintenant. Green est en mode survie. Et là, il a placé quelques bons coups. Demers, il faut qu'il applique. Tout de suite, il faut qu'il applique. Il semble s'être raplombé, Green. Il ne faut pas qu'il donne des coups doux comme ça. Il faut qu'il ait mal à aller. Là, c'est par Green, la main droite, qui a touché Demers. Demers vient de se faire toucher solidement deux fois par Green. L'uppercut, la main droite, alors qu'on était très proche. Placé par Green. Encore là, c'est Green maintenant qui frappe Demers. Crochet gauche. La droite. On est dans les cordes, mais on accroche. Wow. Sébastien Demers qui étonne tout le monde ici ce soir. Green maintenant qui lance des coups. Sébastien Demers, étonnant. On a failli assister à une surprise phénoménale dans ce round, Ross. Hey!